Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto maquillage pour Halloween. Donc, c'est parti. Donc, la Allez. première étape, c'est de mettre une base et celle-ci vient de chez Makeup Forever. Ensuite, madame va me camoufler les sourcils, donc elle utilise une colle. Ensuite, pour bien camoufler, on met du fond de teint au-dessus du sourcil. Ensuite, Laura commence à mettre de la crème blanche sur mon sourcil. Puis elle en met un petit peu partout, voilà, elle étale. Par contre, elle fait en sorte que mon visage soit moins blanc que mon œil, parce que voilà, elle veut juste me faire un teint assez blafard. Elle descend le blanc un peu dans le cou. Ensuite, elle utilise la poudre de chez Klairs pour matifier et puis donner un peu plus d'opacité à la chose. Puis, elle utilise un crayon blanc parce que c'est plus gras et donc ça aide vraiment bien à cacher le sourcil. Ensuite, elle trace les contours de mon œil avec un crayon noir. Puis, elle retrace par-dessus avec un eyeliner pour que ce soit plus opaque et plus noir, que ce soit plus joli. Puisqu'elle trouvait que mon teint était un petit peu trop blanc, ce qu'elle voulait, elle m'a mis un petit peu de bronzer par-ci, par-là, et puis histoire de donner aussi un peu plus de relief au maquillage. Et elle a juste remis un petit coup de poudre blanche de chez Klairs, vite fait bien fait, sur tout mon visage. Ensuite, elle me met un petit fard à paupières dans les tons rosés, vraiment très très pâles. Ensuite, elle a mis du crayon noir dans ma muqueuse et en dessous de mon œil. Elle estompe un petit peu avec un pinceau. Elle fait mon sourcil de l'autre côté avec le fard à paupières marron, comme dans toutes les autres vidéos. Si jamais vous ne les avez pas vues, allez les voir. Elle me met le même fard rose sur l'autre œil. Ensuite, elle illumine un petit peu sous mon sourcil avec un fard à paupières blanc. Elle utilise un crayon noir pour mettre sur mon ras de cils supérieur. Elle estompe le tout, je vous jure, j'ai vraiment l'impression de faire une recette là de gâteau, c'est trop bizarre. Et pour intensifier au maximum, elle utilise son eyeliner de chez NYX. Voilà, comme ça c'est bien bien noir. Elle utilise l'aquarelle de chez Serge Louis Alvarez, donc la noire, pour écrire yes et no de chaque côté de mes joues. Elle me fait des petites larmes noires avec un eyeliner de chez Yves Rocher. Un petit coup de rouge à lèvres noir de chez Klairs. Et on continue avec l'aquarelle noire pour m'entartiner plein le visage, comme vous le voyez. Ensuite, elle m'a fait une lune et un soleil de chaque côté. Bon, elle a voulu me faire de la merde. Je vous mettrai ça parce qu'on a décidé de faire un petit bêtisier. Donc, je vous mettrai ça. Comme vous voyez, elle m'a fait une sorte de vampire soleil ignoble. Enfin bref, vous verrez ça. Ensuite, elle écrit Ouija, comme vous voyez, dans mon cou. Et c'est parti pour galérer à faire l'alphabet sur mon décolleté.
Elle a ensuite mis un fard doré et noir dans le soleil et dans la lune. Puis l'étape finale, nous avons donc mis les fossiles de chez Primark. Je vous laisse donc avec le résultat final et je vous fais plein de gros bisous.